De retour et je suis à toi. Qu'est-ce qui se passe? On veut me marier à Salvador. Quoi? Mais t'es pas une villageoise, toi. On peut pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Tu connais tes droits. Je sais. Mais ma mère est capable de mettre sa menace en exécution. Mais quelle menace? Elle peut pas t'obliger à te marier comme ça? Si. Elle a un moyen de pression. Elle menace de se tuer si je ne pars pas avec Salvador. Parce que ce dernier les a aidés au vu et au su de tous. Mais je peux tout rembourser, moi. Je peux tout rembourser. Je peux t'amener à Ouagadougou pour te cacher. Ou bien... Quoi? Tu veux que je sois bannie ou maudite? Laisse, j'essaierai de trouver une solution. Non, mais écoute, dans ces conditions, je viens voir tes parents. Mais ça aggravera toute la situation. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Hein? Mon Dieu. Yawam yang bela loron dire la fi kataba ka fonu ti zo ara eh Albert Vité zini azin bebe eh rik wanu wakatam nyakra mo kwa Albert Vité ya toto ade am wa pin runda we wa ha manika runo manak bamba we ko la fi jeto ma runo wa ya tulon ya mission spéciale hein. Mission wa man kam tuka ne pa bumu furu nyere mi si ay kwam de hein gamma sheep se yibla ko ma mission wa dab ne wo ko do gamma sheep se fami kabi ay wa to nan daga soufel wa do wa wa tuuri ko Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Père Toto, t'as la tombe de toi là. La foule en. Il y a un lebule pour toi, c'est là. Gâte un petit coup, ma hein, ça vous y a un peu comme quoi. C'est bon. Il y a tout ça, ils aiment ça, moi, pas où là. L'or est une bête. Mon Dieu! Tu fais très attention à toi. Et tu ne t'arrêtes pas si c'est pas au lazaret. Hein? Pas d'escale. Bonjour, patron. Bonjour, tonton. Tonton, bonjour. 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 S'il vous plaît, on voulait vous demander un service, quoi. Regardez, s'il vous plaît, on voulait arriver d'urgence à Ouaga. Donc, on n'a pas 300 pour payer le dîner là. Ouais. Vraiment, si vous pouvez nous aider, ça va vraiment nous faire plaisir. Voilà. Je vais monter. Hein? Ah bon? Merci. Depuis là-bas, là, on, ouais. On vous a signalé comme ça. Depuis là-bas, on l'a signalé. Ah, il est gentil comme ça. La famille va fouiller. Ah ouais. Merci. Voilà. Merci. Voilà.
Dépêche-toi, chauffeur. Merci. 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 Allez, dépêchez-vous là. Allez. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Laisse-moi. C'est toujours comme ça, amenez-le. Je vais te voir. Tu mets tous les deux sous vos décarts. Allez, patron, on n'est pas fou. Allez. On n'est pas fou, patron. On n'est pas fou. On n'est pas fou. On n'est pas fou. Mettez du jus là. On n'est pas fou. Laissez-nous, on n'est pas fou. Chauffeur. On n'est pas fou. Chauffeur. Chauffeur, faut nous laisser. Laissez-nous. On n'est pas fou. Au nom de Dieu, on n'est pas fou. Laissez-nous. Chauffeur. Je vais commander ça tout de suite. Chérie. Oublie-le. C'est quoi le problème? Tu as monté de coup. Quel coup? Tu es avec moi, non? Bonjour, madame. Passez-moi les DRH, s'il vous plaît. De la part du docteur Yacoub, CHR du plateau central. Ok. Oui, bonjour, mon directeur. Ça va bien, merci. Et la famille? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous appelle parce qu'en réalité, ça ne va pas. Hier, je n'ai pas pu dormir du tout. Ah oui, je suis l'objet de menaces, menaces de mort ces jours-ci. Oui, voilà, j'en ai parlé au directeur, mais... Ça continue. Je ne peux pas continuer à sacrifier ma vie comme ça, c'est dangereux. Ils peuvent mettre en exécution leurs menaces. Hein. Voilà. Et moi, je voulais solliciter justement une mutation pour Ouagadougou. Comme vous l'aviez déjà promis auparavant, bon, je n'étais pas disposé à bouger, mais actuellement, je crois qu'avec les menaces, si j'arrive à gagner Ouagadougou, voilà. Voilà. Merci, mon directeur. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous savez, les pays-là, mieux vaut connaître les hommes que connaître la terre. C'est ce que disent les Moussi. Ça m'énerve, ça m'a mis tenga. Zoumana. Oui, Zoumana. Yeah. Mais, on a dormi, hein? On a trop dormi? Moi, je n'ai jamais dormi comme ça depuis que je suis né. Tiens, moi, ma tête est lourde comme ça. On dirait que je porte 3 sacs de sang. Mais oh, attends. Mais on est où même? Mais on dirait qu'on est à l'hôpital. Hôpital, ouais. Mais on n'est pas malade? Lequel d'entre vous est Ali et qui est Lazare? Moi, je m'appelle Zezouma. Moi, c'est Zoumana. Oui.
Et moi, vous savez, je m'appelle le président de la République. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est clair. Eh oui, ça commence toujours comme ça. S'il vous plaît, moi je suis ouvrier. On partait en ville pour travailler là-bas, chez mon oncle. Mm-hmm. On voulait faire autostop. Mm-hmm. On a fait autostop. Moi je suis menuisier. Voilà. Voilà. On a fait autostop et puis on s'est retrouvé ici. Mm-hmm. Eh bien, c'est justement ce à quoi je m'attendais. Ok, je vais voir les autres malades. Vous resterez donc en observation. Nous observez quoi? Qui? Moi, je comprends rien. Samira, souris un peu. Hmm? Samira, tu ne peux pas savoir combien cela me fait plaisir de te savoir à mes côtés pour toute notre fille. Samira. Je peux te jurer quelque chose. En attendant que tu prépares tes concours, je ferai en sorte que rien ne te manque. Ça, je le jure. Mm-hmm.